Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment prendre du poids. C'est pas une vidéo que les gens font d'habitude. C'est comme un sujet tabou. Tout le monde parle de comment perdre du poids. Il faut parler de comment prendre du poids. Les gens ne sont pas si ouverts à cette conversation. La majorité des gens disent, mais tu es très bien comme ça. Tu es OK. Surtout dans les pays où les filles n'ont pas envie de prendre du poids. Ça m'est arrivé à moi que je voulais dire merci ou que je dis, j'ai fait une réduction à ma mère. La majorité des gens n'ont pas compris. Mais tu as de bons seins. Tu es super comme ça. Tout le monde a envie d'être comme toi. Tout le monde a envie d'avoir de gros seins. Dans la culture argentine, les gens aiment les gros seins. Quoi? Les gens ne prennent pas en compte ce que une personne veut pour soi-même, ce que chaque personne veut. Certaines filles ont envie d'être grosses, d'autres ont envie d'être minces, d'autres ont envie d'avoir les cheveux défrisés, d'autres ont envie d'avoir les cheveux naturels. Ne devait pas avoir de standard pour comment une personne doit être. Sauf que on doit rester dans les limites de santé, quoi. Faut pas faire des choses qui sont néfastes pour notre santé. Je pense que tout le monde a droit de faire ce que l'on veut, quoi. C'est notre corps, comment on aimerait se voir, c'est ce qui compte. Encore une fois, il faut pas tomber dans l'exagération. Si vous voulez prendre du poids, il faut faire les 3 repas et 2 collations par jour. Ne pas sauter les repas. C'est la seule façon d'éviter d'utiliser la réserve d'énergie que vous avez dans votre corps. Utilisez des assaisonnements huileux avec des huiles qui sont naturelles et aussi d'ajouter du fromage dans ces repas. Si vous mangez de la pâte, ne mangez pas tout simplement de la pâte avec seulement des végétaux. Il faut ajouter des fromages. Vous faites votre salade, vous pouvez ajouter du jambon, des fromages, des huiles qui sont vraiment naturelles, vraiment bio, qui sont organiques pour votre corps. N'allez pas non plus tomber dans l'exagération de manger n'importe quoi. Et vous pouvez tout simplement compléter avec des trucs qui sont riches en énergie. Vous pouvez utiliser les graines, les fromages, les noix, du lait. Augmentez le volume de féculents que vous mangez, le riz, les pâtes. Augmentez un peu le volume pour que vous puissiez avoir plus d'énergie. Quand vous augmentez le volume de votre plat, évitez de tomber dans la gourmandise. Si vous ne pouvez plus manger, vous laissez, c'est tout. N'essayez pas de manger tout ce qu'il y a au monde juste parce que vous avez cette désespération pour être plus grosse. Ne pas négliger le sport. Donc, faites du sport tout en faisant des exercices qui ne vous font pas brûler trop de calories parce que l'idée, c'est d'être en bonne santé, mais c'est de ne pas maigrir. Donc, il y a des exercices qui sont plus ou moins tranquilles qui vont vous donner de la masse musculaire sans pour autant perdre trop de poids. Évitez de manger des graisses qui sont mauvaises pour votre santé. Des hamburgers, des frites et des trucs comme ça. Donc voilà, ce sont les conseils que j'avais à vous donner. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous ne l'aviez pas encore fait. Je vous fais plein de bisous. On se revoit dans une nouvelle prochaine vidéo. Bye! Hasta luego!